messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Nous sommes très heureux car nous sommes ici au carrefour des personnalités et vous savez, les personnalités viennent dans Entre nous. Nous sommes présentement à Paris et j'ai un réel plaisir, enfin, de pouvoir vous dire que je reçois cette personnalité-là. Si vous savez à quel point nous avons tellement voulu le recevoir, si j'ai lu vos messages, vos commentaires, et j'ai vu à chaque fois vous demander, mais Ingrid, est-ce que tu peux le faire? Ingrid, est-ce que tu pourrais rien que pour nous? Mais vous voyez comme quoi tout le monde finit un jour par céder. Et aujourd'hui, il a accepté de venir dans Entre nous. Ça va être une émission qui va vous faire balader. C'est un exercice comme j'en ai eu pas souvent le cas, mais on m'a dit que je m'en étais bien sortie. Alors là, je me lance encore dans un exercice car c'est une légende de la musique congolaise. Pourquoi je le dis ça? Je le dis parce que dans le temps qu'il a pu faire au sein du groupe auquel je préfère taire le nom, eh ben, il a marqué son empreinte et c'est une empreinte indélébile qui fait qu'aujourd'hui, même 7 ans après, 20 ans après, 37 ans après, bref, de 7 à 77 ans, eh ben, on se souviendra toujours de lui. Un enfant de 2 ans, tout comme celui de 70 ans, dira « Ah ben forcément, j'ai aimé ses chansons, j'ai aimé ses interprétations. » Il est auteur, compositeur, interprète. C'est un artiste qui a une multiple casquette, mais il est aussi pasteur. Et du coup, aujourd'hui, artiste chrétien. Alors oui, effectivement, ça fait déjà plus de 20 ans qu'il réside ici en Europe. Il a fait bouger le Congo parce qu'il était tout d'abord dans un groupe que vous connaissez d'ailleurs assez bien, c'était OK Jazz. Et ensuite, il s'est même retrouvé à Shockstar. Je sais que vous voyez déjà de qui je vous parle. C'est un passionné des arts parce qu'il sait tout faire avec ses mains, sa voix. Il peut la transporter, l'emmener, vous évader. Mais dans les années 90, s'il marque, dans les années 90, après son arrivée, il a finalement marqué une pause. Les gens se sont même demandé, mais finalement, où est-il passé? Et non, il nous revient, mais parce qu'il nous revient du côté de l'Évangile. On va traverser ces deux univers pour découvrir tout simplement sa reconversion. Je me dis que la musique congolaise ou encore la rumba congolaise se conjugue à plusieurs temps. Et avec lui aujourd'hui, Lassa Carlito, yes. Charles Dombassi. Ouais. Je vous dis bonjour dans Entre nous. Bonjour, la Sainte Ingrid. Comment allez-vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Vous savez qu'on a une joie immense. J'espère que la présentation, je n'ai pas exagéré, vous avez aimé, j'espère. Non, non, mais ça va, ça va, ça va. Donc, on dit une légende. Oui, je suis légende, une légende vivante. Parce que c'est clair. Il y a ceux qui sont morts aussi. C'est ça, mais vous, voilà. Vous êtes encore là pour pouvoir le témoigner. Oui, c'est ça. Alors, du coup, verser cette enfance-là, une musique de 7 à 77 ans, vous êtes d'accord? Oui. Pasteur aujourd'hui? Oui. Et ben, décidément, on est reconverti. Hein? Ça va aller. Alors justement, on ne va pas louper ça malgré tout. Est-ce qu'on peut commencer cette émission par une prière courte, efficace, mais qui nous aidera? Pourquoi pas? Père, merci. Père Saint, 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 nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, que ta main puissante, ton amour sur nous. Et ce moment que nous passons ensemble, c'est le moment que tu avais prévu bien avant. Et que nous sommes que des gens qui essayent de suivre ce qui était destiné, Seigneur, planifié dans le ciel. Et nous bénissons ce temps et ce moment, nous bénissons ton nom, nous t'honorons, Seigneur, toi qui es notre Dieu. Et nous voulons aussi que les gens qui nous suivent soient édifiés au travers de ton nom, au travers de ton histoire, au travers des hommes, ton histoire auprès des hommes. Et que merci pour ce que tu fais et ce que tu continueras à faire. Et nous laissons tout le reste du temps entre tes mains. Et le confiant, glorifiant le nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Amen. Alors, quand on parle de légende, c'est parce que quand on côtoie les légendes, quand on fait des choses que les autres ne font pas, au final, c'est bien pour ça qu'on est appelé une légende. Vous avez été aux côtés des artistes du Congo. Vous avez, vous aussi, mis votre empreinte à travers, je vois directement le Toumba Simaro, je vois Franco, le grand Franco, même s'il y en a d'aujourd'hui qui ne sont plus, je vois des Fao, je vois des Baba. En fait, je me dis que tout ça, et j'ai enfin Lassa Carlito. Amen. Parlez-nous un peu de votre enfance, si on peut commencer au commencement été. Cette personne-là que les gens, au final, n'ont pas réellement connue dans sa profondeur, tout le monde connaît Lassa Carlito, mais tout le monde ne connaît pas l'image de Lassa Carlito. Comment on peut être une légende, mais on peut être aussi discret? Est-ce que ça vous vient de votre départ? Non, en fait, d'abord, au début, vraiment, je suis un homme très timide. Très ça, timide. J'en doute pas. Ouais. Un homme très timide, mais la musique montait
jusqu'à ce que je ne pouvais plus. Donc, la musique était plus forte que moi-même. Ok. Je ne pouvais pas, donc, la musique me poussait vraiment à aller de l'avant. Et j'étais obligé d'affronter les gens. Mm. J'étais obligé. Donc, la musique était plus forte, tellement forte, que j'étais obligé d'être devant les gens et chanter. D'accord. Un jour. Alors, c'est un enfant qui est né avec de l'art. Vous savez, l'artiste, un artiste, souvent on dit que non, c'est moi, nos azoba. Mm. Donc, il réfléchit, il est toujours en retard par rapport à ses réflexions. Ok. Donc, personne ne pouvait croire en moi. Mm. Parce que ma façon de réagir, je suis lent. Ok. Lent à faire les choses. Si nous mettons une feuille et nous faisons un examen tout de suite, moi, je trouverai la réponse, vous avez déjà remis une feuille. Ok, d'accord. J'ai donc, zéro. Moi, retard, quoi. Ok. Ouais, mm. J'ai zéro, mais dans cet exercice, moi, je garde la notion et je peux le garder toute ma vie. Okay. Ça, c'était mon intelligence. D'accord, ok. Donc, j'étais trop en retard. Mm. Donc, pour moi, quand on mange, même quand on mange avec les gens, et si vous mangez trop vite, donc, je n'aurai rien parce que j'ai fait tout dans la lenteur. Et comme tes soukassis, ouais, c'est à Kolia. C'est ça. Mm. Alors, c'était ça. Personne ne peut croire à un enfant comme ça. C'est un homme, mais parfois, c'est comme une femme. Mais on ne comprend pas. C'est quel genre d'enfant? Mais c'est dû à quoi? C'est, au fait, moi, j'ai compris aujourd'hui. Mm. Nous avons des enfants comme ça aussi, mais parfois, nous ne savons pas étudier ces enfants-là. C'est des artistes qui sont comme ça. Dans un, ouais, on ouais. dit qu'ils sont dans un monde à part. Enfin, ils sont dans leur justement. Bulle. Justement. OK. Ouais. Et j'ai lu beaucoup de savants, beaucoup de gens étaient comme ça. Donc, on dit, leur intelligence, c'est leur intérieur. OK. Et ils réfléchissent avant de répondre. Donc, c'est comme si c'est la perfection et perfection. Mais quand il va répondre, c'est juste. Alors, ouais. quand même, dans la ville de Kinshasa, vous êtes de Lingua, cette commune qui est connue pour être bien vivante et tout ça. D'ailleurs, qui a sorti plein d'artistes. Ouais. Vous êtes quantième de la famille? Je suis l'aîné d'une famille. Aîné, hasard et tabouet, c'est incroyable. Aîné d'une famille de combien? De 9 enfants. D'accord. Voilà. Donc, on a charge. On dit que les aînés, bah, on a charge. Oui. Bah, on avait une charge, mais une responsabilité quand même. Mais maintenant que tous se sont devenus des grands, quelle charge. Ah, mais on dit toujours que moi, j'ai bossé avec Sandzila. Ah, ben j'ai monté le chemin. Ah, super. Et alors, du coup, un grand frère, plutôt un aîné, qui plutôt. Il était comment? Sévère avec Baléki, Abetaka ou pas? Bah, non, pas trop sévère, mais je. Donc, en fait, comme. Comme tu sais, vous savez, dans notre culture, oui. l'aîné Alex Aranzela, mais quand moi je pris le bâton, donc je ne voulais pas que les gens suivent mon chemin. Ah, ok. Ouais, donc ça, c'est vraiment ce que je voulais. Mm-hmm. Je ne voulais pas que les gens suivent ce que moi je fais, mais que les gens aient à l'école. Oui, donc, okay. sévère pour qu'ils aient à l'école, pour qu'ils étudient, pour qu'ils aillent loin. Ah, donc, d'accord. Dans ce sens-là. Mais si moi je retourne alors peut-être dans votre adolescence, je sais que je vais loin, vers les 15, 14, 15 ans. Ouais. Il était un élève comment? Oh, 15 ans? Mmh. Un élève comment? Là, je crois que tout ça va l'humanité, non? J'ai commencé déjà à faire de l'école buissonnière. Bon, mais comme buissonnière, la musique avait déjà pris tellement. C'est pas possible. Si, oui, oui. Si. À 15 ans, moi, j'ai amené l'appareil, notre magnétophone à l'école. Et quand les professeurs ne sont pas là, moi, je mettais la musique, j'étais devant. Alors, justement, mais vous aviez des amis et tout ça, quand même. Si, j'avais des amis. Et vous étiez plutôt... Et à l'école, la timidité, là, il n'y avait pas ou comment? Non, mais en fait, cette musique-là faisait quelque chose. D'accord, elle enlevait tout le reste. Elle enlevait tout le reste. Mais maintenant, quand on est dans son milieu, c'est mieux quand on est dans son milieu. C'est clair. Mais quand on est devant les gens, les inconnus, donc c'est là où... Ça, ah, c'est là où ça se manifeste. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Alors, justement... 15 ans déjà, vous emmenez, donc en fait vous étiez déjà dans le processus de l'école buissonnière. Alors revenons à comment la passion de la musique vous vient. Ouais. Vous avez grandi en écoutant quoi? En fait, moi. Bercé grandi... par quelle musique? Donc c'est la musique des Rochereau, l'eau que j'ai dans l'ensemble. Okay. Donc Franco, Simon Roy. Ah d'accord, ok. Donc c'est pas un hasard. Hein? Donc j'étais là et je connais pas mal de chanteurs dont j'ai. Donc en fait. Mon père avait son frère qui travaillait à Mazalis. Ok. Et toutes les bandes presque de mastering, dont on avait ça à la maison. D'accord. Donc les chansons qui ne sont pas encore sorties,
Moi, je l'avais déjà à la maison. D'accord, parce qu'on venait. C'est faire... ça ma répétition. D'accord. Mais c'est pas mal maintenant. Inutile que je vous demande quel était votre rêve de gamin. Puisque tous les enfants, généralement, quand ils vont à l'école, on leur demande qu'est-ce que tu veux devenir ? Ah, j'ai envie de devenir docteur. Surtout à l'époque, c'était les métiers. Docteur, avocat, tout ça. Moi, je voulais être un médecin. Ah, quand même ! Ouais, quand même. En fait, un médecin, je voyais seulement les gens qui aidaient les gens. Ah, donc, j'aimais beaucoup être juste envers les gens, aider les gens. Servir les gens. Servir les gens et puis voir les gens en bonne santé. Transmettre cette joie. Mais bon, ça a vite quitté, ça a vite quitté votre esprit. En plus, le calcul, c'est dur. Hein? Ah, ça, c'est clair si on fait l'école conditionnaire. Mais alors, du coup, dans ce que j'ai entendu, mes recherches, on m'a dit que vous étiez ami au fils de Lutu Massimao. J'ai plusieurs amis. Donc, faisait partie des. Ouais, alors, je me dis que la pomme, elle tombe jamais très loin. Elle tombe jamais très loin. Ouais. Comment, justement, alors, comme vous avez dit que cette musique a commencé à dominer, c'était juste par le fait que vous aviez tout ça à la maison ou bien quand est-ce que vous avez commencé vraiment à rêver de cette vie-là? En fait, ou bien de découvrir votre propre talent. Quand je grandis, j'écoute cette musique, je chante, je le chante, mais je ne me vois pas musicien. Hein. Donc, je ne me vois pas qu'un jour. Donc, en fait, moi, je me suis découvert après. Ok. Ouais, donc, c'est comme une fille qui a déjà de seins, mais qui dit... Qui ne comprend pas encore que je deviens une femme. Oui, c'est ça, justement. Donc, moi, je me suis découvert après qu'il fallait quelqu'un en face de moi pour me dire, mais tu ne te vois pas. Tu ne comprends pas ce que tu es. C'est clair. Voilà. Non, mais attendez, une voix comme ça. Ouais. Donc, ça veut dire que vous chantiez, vous ne savez pas que la voix que vous utilisez, en fait, c'est quelque chose qui est exceptionnel. En fait, c'est minimiser un peu ce qu'on a parce qu'on ne se voit pas. On ne se voit pas dans cette chose-là. Il faut qu'il y ait une personne... C'est comme quand on dit que quand on cerne quelque chose dans la forêt, une fleur dans la forêt, ce n'est pas une fleur. Hein. Donc, c'est juste... Un parmi tant d'autres. Oui. Mais il faut le cerner et l'enlever de là pour le mettre dans un pot. C'est là où tu vas... Au moins, la Kito qu'on a. Ah, voilà, c'est ça. Et qui a découvert la chose qu'il y avait dans Carlito Lassa? C'est mon vieux célébitio. Ok. Ouais, c'est... Racontez-nous un peu. Bref, j'ai chanté comme un chanteur qui chantait tout le temps. Hein? La musique était un loisir pour moi. Je venais, je chantais, je m'amusais. Pour moi, c'était... Un truc délirant, quoi. Ouais, c'est ça. Je m'amusais et je chantais. Pendant que je chantais, la salle, il n'y avait quasiment pas personne dans la salle. Donc, vers Maelika, Kandaganda, et un vieux qui était en dehors de la place, mais il écoutait. Et ce n'était pas la première fois, deuxième fois, troisième fois. Un jour, il m'appelle, mais amenez-moi le petit qui chante là. Et comme ça, il me dit, mais un petit, toi, comment tu t'appelles? Et je me suis présenté. Il m'a dit, tu me connais? Moi, j'ai dit, non, je ne connais pas. Il s'est présenté. Francis, je suis Francis, c'est le Bichou. Il a dit, ok, j'habite ici à côté. Et si tu peux venir à la maison. Je suis allé. Et il commençait à me montrer ses chansons. Et par après, il me dit, mais tu sais que tu peux vivre avec ta voix. Voilà, c'était comme ça. D'accord, ok. Ouais, tu peux vivre avec ta voix. Ta voix peut te donner tout. Alors, c'est là maintenant que je me rends compte, mais je dis, mais comment? Alors, il m'a prouvé. Comment? Maintenant, moi, je pose, comment il l'a prouvé? Il m'a donné des chansons. J'ai chanté et puis après, il a amené les chansons chez Vekis. VV, quand il a vu les chansons, il a dit, bon, voilà, je vais vous donner un ingénieur, il va enregistrer. L'ingénieur a enregistré. Et le soir, quand il est venu pour écouter, il pose la question, qui sont les chanteurs? On lui dira, c'est un petit qui était là. Et puis, non, non, ça, c'est la voix d'un petit. Il a refusé. Il a refusé. Et c'est... Il dit, non, non, non. Elle va appeler Bichou, dis-lui que... Ça n'a pas vraiment marché. Il faut qu'on essaye vraiment de l'enlever. Lui, il était curieux maintenant de voir qui était la personne. Ouais. Et quand nous sommes arrivés, je ressentais. Après, il disait, ah, petit homme, c'est moi. La voix, oui. Là, vous aviez quel âge? À l'époque, 80, je dis 83, j'ai 22 ans. 22 ans. Ouais, 22 ans. Donc, c'est la même époque presque. Oui, effectivement. 22 ans. 83, c'est 22 ans. Exactement. Il me dit, mais oh,
La preuve. Oui, c'est qui partait, les attaïtés. C'est là qui est dans la personne, c'est l'intelligence de la personne. Et il faut que tu en aies un peu. Donc je préférais ne pas être dans un groupe ou bien dans un orchestre. Je ne me voyais pas. D'accord, ok. Je ne me vois toujours pas. Alors par après, celui qui me dit, voilà, tiens, on va aller à la maison, on va manger. Ça, c'est ta voix. Et là, vous avez compris. J'ai compris, pas tout à fait. Bon, moi, mais je comprends un peu, mais parce que c'est pas ce que moi, je m'attendais pas à ça. Mais je comprends que ça, c'est ta voix, mais c'est pas mes chansons. Oui. Donc, c'est ma voix. J'ai compris quand même que c'est ma voix. Oui. Mais après, j'ai compris. En fait, j'étais quelqu'un qui était trop lent pour comprendre les choses. Il faut vraiment que... surtout ce que je ne vois pas. Donc, aujourd'hui même, quand j'explique aux gens les choses, je préfère parfois illustrer les choses. D'accord. Pour essayer de faire comprendre quelqu'un rapide. Parce que quand on parle parfois, ce n'est pas en parlant seulement que les gens doivent comprendre. Il y a des illustrations qui peuvent aider beaucoup de gens. Mais quel a été le déclic qui vous a fait comprendre que je vais faire ce métier-là? Il m'amène... C'est un des trois, à l'époque où Franco est en Europe. Il me dit, regarde un peu là, quels sont les chanteurs, tu trouves au moins qu'il y a? Il dit, mais oui, ils chantent normal. Il dit, mais ils sont normal. Il dit, mais voilà, est-ce que donc, tu peux aussi le faire? Ah, il dit, mais moi je vois maintenant, avec quel orchestre, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Parce qu'en plus, tu es quand même prétentieux. Hein? C'est pourquoi, parce que j'ai découvert le business à Ozaïre. D'accord. Donc, en fait, moi, c'était aller chercher de l'argent. Je faisais déjà du business. OK. J'ai touché quasiment quelque chose déjà, au fait, à cette époque. Et je me disais, bon, la musique, seulement, c'est un loisir. C'est clair. Ouais. D'accord. Donc, vous l'avez mis en second plan. Oui, c'est ça. Ouais, c'était ça. Donc, ok, donc oui, donc du coup, il vous dit au début, il vous emmène en 1, 2, 3. Et quand il m'a amené là-bas, et puis il me dira, écoute-toi, je vais te dire une chose. Tu vas évoluer là-bas. Il me dit, comment? À mon âge, regarde comment ils sont. Il dit, non, c'est ta voix. C'est ta voix. C'est ça, c'est la clé de toute chose. C'est ta voix. Et il me dira, au moment où nous sommes en train de parler, c'est maintenant plus les chanteurs. Un chanteur qui pourra chanter les chansons Simaro. Non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'était comme ça. Et puis, il m'amène chez Simaro. OK. Et on arrive chez Simaro. Et je chantais, mais bon, tu sais, les gens aiment diminuer. Il faut mieux minimiser. Il faut mieux minimiser que quand on dit ma rapide. Sauf le mina moutoua, la beauté qui tourne. Ah, malamant Mati. Oh non, petit, tu chantes bien, mais il faut écouter. Alors qu'intérieurement, il était déjà séduit, en réalité. Mais je ne savais pas qu'il était séduit. Mais après, il vous l'a dit. Après. Parce que quand on est sorti, le vieux m'a expliqué, il m'a dit, non, écoute, Corona Maloba, mais Ayoki. Tu te souviens de la La chanson de Verki s'est sortie. Et les gens croyaient que c'était toujours le musicien qui chante d'habitude. Mais un jour, on était aussi devant, en face, donc jazz, et il fallait reprendre la même chanson. Et c'est là où il dit, mais c'est lui qui a chanté? Oui. Ah, non, mais ça confirme maintenant. Et il a dit, non, il faut... Alors, quand il a cherché, mais non, mais c'est le même petit qui était venu à la maison. Donc, il faut que j'aille trouver Bichou. Et c'est celui Bichou maintenant qui m'appelle, il me dit, voilà. Il faut aller là-bas. Il faut y aller. Et c'est là que tu commences? C'est là où je commence. On m'a donné la première chanson, c'était Afekiti Kwala.
Mes chers téléspectateurs, rien que pour votre plaisir. D'ailleurs, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman qui fête ses 60 ans et je reçois un artiste d'ailleurs qu'elle apprécie. Pour l'une des chansons qu'elle a beaucoup aimées, je vais taire le nom, mais regardez avec moi le savoir-faire de cet artiste. Alors, comme il est aujourd'hui pasteur, mais qu'on n'oublie pas l'histoire car on ne changera jamais l'histoire, elle fait partie de notre identité, je vous fais un medley de tout ce qu'il a été capable de réaliser et que vous avez apprécié. On se retrouve juste après. À tout de suite. Maya, na komi lokola moto basui na nyoka, na komi kobanga ta moselekete ya pamba. Voilà mes chers téléspectateurs, je sais que vous êtes dans cette ambiance-là, nous entrons déjà dans mon parcours. Lassa Carlito, ça va j'espère? Oui. Vous êtes à l'aise? Je suis Lassa Carlito, je suis le frère Lassa Carlito, je suis le pasteur Carlito. Face à la Sainte Ingrid. Alors du coup, j'aime parce que vous dites ça, l'histoire, on va dire un peu la belle histoire, donc commence. Comme on dit, une légende a une histoire et l'écriture s'en fait à travers cela. J'imagine que quand même vous avez eu, malgré tout, à prêter votre voix, enfin, à avoir chanté ailleurs pour commencer quand même à découvrir, avant même de tomber sur OK Jazz. Oui, oui, parce que c'est comme quand on dit « Boté à mouté bandarana, nous pas à colite ». Bato eba qui est, bato à mon aïe. Ah, c'est clair. Abissou à zolo, bah, on va comme ça, ma maman, du côté. Donc, j'ai grandi comme tous les jeunes, dans les jeunes groupes. Hein, j'ai joué avec ici, chez Minzoto, à Cabaret Lyoto. Ouais. C'est là où j'ai connu tous mes amis. Marai, on a joué dans d'accord, le même d'accord, parce que je connais. Oui. Ouais, j'ai joué avec Marai. Marai, Jolie, Debaba. Mm-hmm. Ouais, ça, c'est Cabaret Lyoto, année 77, je crois. D'accord, ok. Ouais, 77. Et par après, notre orchestre s'appelait Bachifio. Mm. Après Bachifio, Marai est parti, viva la musica. Ouais. Debaba, viva la musica. Musica. Mais moi, j'étais toujours quelque part en train de chercher. En train de se chercher. Ouais. Alors donc, Jolie était avec son frère, Viva et Mené en même temps. Il y a plusieurs chanteurs, hein. Même dans Oka, j'ai connu Émile, l'autre là qui s'est... J.P. Bousset, okay. Sekedan, Mondial ainsi que les autres, beaucoup d'autres personnes. Et au cas de temps en temps, je venais. Après Bachifio, au cas, c'est les amis, on venait, on chantait et enlevait les autres Zaiko. C'est là où le vieux Bichou m'a découvert. D'accord, ouais, ok. C'était dans Oka. Et je fais, là où vraiment j'ai grandi dans ma musique, c'est Madiatra. D'accord, ok. Ouais. Et justement, bon, je reviens du coup à la période, comme vous nous l'avez retracée, donc OK Jazz, parce que c'est là où vraiment vous avez grandi personnellement, mais là où maintenant le public voit, découvre cette grandeur-là, cette beauté-là dans cette voix, ça, à travers OK Jazz, ou d'ailleurs, pour ceux qui pensent, il n'a pas au final, en réalité, vous n'avez pas fait aussi non plus, même pas 5 ans là-dedans. Non, non, je n'ai pas fait 5 ans. Comment c'est possible? C'est la question qui... D'abord, avant que j'en arrive, avant que j'entre dans ça, quelles sont les difficultés? Ça permettra d'aider aussi des jeunes artistes parce que vous êtes une légende. Donc une légende, tout votre parcours montre qu'on est capable d'y arriver au final. Voilà pourquoi on vous invite. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au départ pour intégrer un groupe comme celui-là qui est un groupe déjà légendaire au Congo? Parce qu'en vrai, c'est le groupe de référence. Ils font les choses. De référence, ils ont les chansons que le public aime, que tout le monde retient, qui sont indélébiles. Comment ça s'est passé, cette intégration? Quelles ont été les premières difficultés? Ok, les premières difficultés, je peux dire simplement, c'est le quart d'âge. C'est un conflit de générations déjà, moi-même. Mm-hmm. Au fond de moi-même, je disais, est-ce que je peux? Est-ce que je dois vraiment chanter? Je dois vraiment rester ici? Au départ, je me voyais beaucoup plus chanteur de Simaro que chanteur de Loki Jazz. Ok, d'accord. Donc, je pouvais accepter chanter pour Simaro que rester dans Loki Jazz. Donc, vous dites... Mon premier difficulté, c'est d'abord la génération. Mais pourquoi chanter pour Simaro et pas forcément pour OK Jazz? Non, parce que, en fait, à l'époque, le tête d'affiche, c'est lui, Simaro. Et Simaro a besoin de faire quelque chose avec quelqu'un. Donc, on dit, intégrer OK Jazz, ça ne m'intéressait pas.
Oui, mais lui, il a toujours été sous couverture. Oui. Ça, c'est lui. Ouais. Mais moi, je me voyais aussi que je pouvais m'éclipser pour aller. Pour ensuite, dans mes affaires. Ok. Ouais. Alors, mais c'est le succès qui m'a retenu. D'accord. Okay. Ah ouais. Bah parce que comme vous l'avez dit, la première chanson qu'on vous donne d'ailleurs, ouais. Une chanson à succès. Ouais. J'aime bien parce qu'aujourd'hui, dans ces classements, il peut y avoir aussi un problème générationnel. Voilà pourquoi je vous dis que cette émission n'est pas toujours facile parce que quand on fait une légende comme ça, c'est-à-dire que nous, on trouve les chansons en cours de chemin. Je peux vous parler d'une chanson, mais la, devoir la resituer peut-être en termes d'ordre, ce n'est pas toujours le plus facile. C'est ça. Voilà pourquoi vous nous donnez aussi tous un cours. Ouais. Ce qui permet que la chanson qu'on vous donne à chanter, une chanson qui va faire succès, mais toutes celles qui vont suivre après, ça va être juste un festival. Parce qu'au final, comme vous l'avez dit, vous n'avez fait que 2 ans en vrai. Même pas deux ans. Un an et... Une année et 9 mois. Vous êtes tellement précis. Vous moi j'ai arrondi à 2 ans, mais non, c'est pas suffisant. Ouais. Donc disons que vous avez fait, 21 mois là-dedans. Oui, mais avec plusieurs succès. Des succès que d'autres en une carrière n'ont pas fait. Non, mais ça, c'est moi qui le dis, c'est mon taf. Donc, justement, est-ce que vous avez été bien reçu par ce que vous avez trouvé? Est-ce que tout le monde trouvait ça d'un bon oeil? En tout cas, que le talent, on dit que le talent apporte la jalousie. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, quand la jalousie est restée dans ton cœur, moi, j'étais jeune, je m'en foutais carrément de vous, j'étais jalousie. Ok, d'accord. Oui, j'étais un m'en fou. Je ne connais pas la rivalité. Vous n'avez pas du tout peur de ça? Non, mais... Donc, en fait, moi... C'était moi et mon talent et le travail que je faisais après. Le reste... Non, je vous laisse et je pars. Donc, sauf quelques jeunes qui ont été là-bas, je peux parler de Jojo Ikomo, Denis Bonyeme, et Flavie Maccabi. De temps en temps, on pouvait rester ensemble. Mais tout le reste, c'était des vieux. C'est ça aussi? Ouais. Alors, quand ça bouillonnait dans le cœur, moi, je m'en fous. Mais vous saviez que ça bouillonnait dans leur cœur quand ils... Bon, il faut qu'ils bambent le bango. C'est vrai. Hein? Pour le moment, vous voyez, J'adore ça. C'est en couleur. Votre époque, c'était les noirs. T'as la TV noir et blanc. Non, vous étiez sûr de votre talent? Non, en fait, moi, j'étais toujours rassuré et sûr parce que j'ai compris qui je suis. D'accord. Ouais. Le mal, c'est de ne pas comprendre ce que tu es toi-même. Exactement. Mais quand tu sais ce que tu dégages et ce que tu fais, ce n'est pas les éloges des hommes qui te feront. Donc moi, on ne peut pas me donner des éloges et dire que non, na quoi il faut na éloge. Non. Parce qu'il n'a même pas ça éloge. Excellent, ici. Mais alors du coup, vous avez parlé justement que le succès est arrivé d'un coup. Comment on le gère? Ah, ça, c'est mon point. Les problèmes, c'est zéro le succès. Pardon? Le problème, c'est là. Oui. On a juste succès. Et où tu wapi? Avant, vous sortiez, vous étiez monsieur tout le monde. Maintenant, vous sortiez, là, c'est devenu affaire. Mais, nous autres, maintenant, on a coupé, là, on a mis le téléphone dans ta pantalon. Tu m'as dit, mais t'as la vie au bain, donc vous dites, mais yo, tu vois, c'est là où. Moutoua bébaka. Ouais, effectivement. Ouais. Je dis, c'est comme une petite fille que les gens disent que non, c'est seulement. Celle-là qui va être... C'est elle. Donc, elle a compris au moment que c'est moi. Donc, elle commence à se regarder un peu pour voir comment je vais faire. Qu'est-ce que je dois porter? Donc, c'est clair. Ouais. Donc, le monde commence à lui regarder. Et lui aussi, même si quand les gens ne le voient pas, là, on est devant la télé. Donc, les gens qui nous voient, ils nous verront peut-être plus tard. Mais si je commence à imaginer que les gens me voient déjà... Et comment vous avez réussi à gérer? Parce que vous n'allez pas me dire, malgré tout, on a toujours, ça veut dire que c'est quand même, on ne dit pas quelque chose auquel on est habitué. C'est le caractère, peut-être. Non, on n'est pas habitué au succès. C'est ça. Personne n'est préparé. Donc, quand je ne suis pas préparé, j'essaye de m'adapter comment faire. Je cherche. Et je ne trouve pas, je reste moi-même. Parce que je te dis que ce n'était pas facile. J'imagine. Ouais, c'était pas facile. Maya!
Donc, ce n'était pas facile. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. N'a pas où la produit Venice, n'a comme Moulaï. Mais vous restiez toujours simple avec les gens. Vous parliez toujours avec les gens facilement. Tous les gens qui me connaissent ouais. m'ont toujours trouvé simple, humble. Avant, après. Pendant. Je parle de mots simples, pas humilité. Oui, parce que l'humilité, c'est autre chose. La simplicité, un homme qui est riche peut passer simple. Mais l'humilité, c'est une école. Alors, je parle de la simplicité. L'humilité, tu as douté dans la vie, Humilité. Mais dans le cas où tu as monté, Mais on dit que le plus grand défaut, il faut le dire aussi, on dit que la plus grande difficulté, c'est surtout à votre époque, puisque aujourd'hui il y a l'internet, donc ça veut dire que tout le monde peut être une vedette, venir et après partir. Mais à l'époque, vous avez marqué des empreintes qui ont fait, on dit que la plus grande difficulté, c'était de gérer les femmes. La gente féminine, c'était pas facile. Hein? Bon, au fait, c'est là le problème, je dirais que. Je ne dirais pas que je n'ai pas connu ce monde-là, mais simplement que le conflit de la génération essayait de m'amener un peu à l'écart. D'accord, Et c'est ce qui m'a épargné. Ok. Ouais, ça aussi, ça, j'étais un peu épargné par rapport à ça, parce que chaque fois qu'on termine un concert, il faut qu'on aille chercher une boîte. Et dans une boîte, tu vas tomber toujours sur forcément. Moi, je prenais un taxi à la maison directement. Ok. Ouais. Eh bien, il était bien différent. Oui, oui. Je prenais un taxi direct. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Donc, succès, mais moi, il y a tout en fait, ça ne vous a pas au final. Dans mon intérieur, il y avait du succès. Mon intérieur me disait que tu as du succès. Parce que ça, c'est quelque chose que tu as le sentir. Vouloir ou pas. Mais j'ai opté. Chercher comment échapper à beaucoup de choses. Qui est Franco? Franco, c'est un homme bien, un rassembleur. Un vrai rassembleur, quelqu'un qui initie vraiment les gens et qui a la simplicité des choses, comme lui-même dira. Et gardez votre intelligence. Ici, c'est Boulundo et Doua. Jouer dans la simplicité. Ok, d'accord. Ouais. Alors, d'autres le comparent aux gens, à Jean de La Fontaine, puisqu'on dit qu'il se servait, Jean de La Fontaine se servait des animaux pour révéler les faits de société. Et en vérité, quand on retrouve les chansons qu'il a chantées, c'est un peu de ce style-là. Ça veut dire qu'il prend les choses. Pour lui, lui chantait les réalités, exactement. Voilà. Il prenait ça et il avait compris que non, c'était son chemin. Il a compris parce que personne n'utilisait ces moyens-là. Effectivement. Que direz-vous de Lutumba Simaro? Lutumba. Bon, je dirais que c'est un homme sage. Effectivement, le poète. Oui, c'est un homme sage. Donc, que les Bakongo appellent Nzonzi. Quelqu'un qui peut dire des choses. Là, maintenant, que si vous ne comprenez pas ça, vous allez le comprendre plus tard. Un jour. Effectivement. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a apporté? Puisque comme c'est quand même, on va dire, c'est lui qui vous a du coup recruté, si on peut l'appeler comme ça aujourd'hui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a apporté dans votre carrière? Un plus qu'aujourd'hui, même quand vous replongez dans les souvenirs, vous dites, ah, même jusqu'aujourd'hui, si je garde ça, c'était quand même grâce à lui. Non, mais en fait, c'est une école. Hein? D'accord. Okay. C'est une école. Mmh. Parce que, vous savez, nous avons... J'ai joué avec des jeunes. Oui. C'est une autre école. Dans ma jeunesse, j'ai vu tout ma jeunesse avec des gens. Mais avec eux, c'est différent. Tu commences à contrôler le texte. Tu commences à contrôler beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, les gens ne font pas attention à l'introduction, au refrain et conclusion. Mais c'est là-bas que j'ai compris que non. Quand vous chantez, vous devez progresser. Il y a une progression dans la chanson. La progression, ce n'est pas seulement dans la musique, même dans le texte. Donc, c'est une école. C'est là-bas que j'ai appris. Parce que j'ai appris beaucoup de choses auprès de tous ces gens-là. Parce qu'ils étaient sérieux dans ce qu'ils faisaient. Et cette école-là m'a appris ce que je suis aujourd'hui, même dans mon écriture. D'accord. On trouve quelque chose. Ok, d'accord. Ouais. Alors oui, parce que... La concurrence, elle se gère comment? La concurrence.
La musique africaine, je vais aller en général parce que vous n'avez pas fait une musique, on va dire. Vous avez fait une musique, on va dire, oui, je préfère dire africaine. La musique africaine, vous avez sillonné le monde. C'est une musique où on a du mal à accepter la réussite en se disant que la réussite est forcément vient des compétences. Mais on préfère l'associer au fétichisme, à tout ceci, cela. Aujourd'hui, vous avez une autre casquette parce que vous êtes pasteur, on y arrivera. Ouais. Mais comment vous avez-vous géré d'abord cette concurrence-là? Puisque j'ai laissé entendre, ce n'était pas là, mais j'ai laissé entendre les gens qui savaient que j'allais vous recevoir que oui, apparemment, la venue de mariage n'était pas la bienvenue chez vous. Donc, ça tombe bien, vous allez nous éclairer tous ici. Non, non, en fait, mariage, c'est un ami d'abord au départ. OK. On a chanté ensemble. Le jour même que mariage doit être dans l'Oké Jazz, moi, j'ai connu bien avant. Il y a Mayaoula qui me dit, Franco cherche un chanteur. Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Je peux amener mariage? Oui, oui, oui. Donc, mariage venait de Togo, de Lomé avec Mayaoula. Okay. Donc, ils sont rentrés. Et moi, je dis, mais pourquoi pas? Et Malaj est venu. Si vous demandez un jour Malaj, il va me dire, c'est moi, je l'ai accueilli. OK. Gentiment. Ah moi, nous t'es la quatre fois. Et moi, dans ce que vous êtes. Nous vivons dans un monde où on nous divise. Mais moi, je suis resté Carlito. OK. Pour essayer de garder mon ami. Et je n'ai pas perdu mon ami. Ah, donc, il y avait quand même. J'aime bien dans votre phrase, vous nous laissez entendre que les gens ont voulu quand même vous mettre en concurrence, forcément. Oui. Les orchestres, c'est ça. C'est ça, les orchestres. OK. Donc, on nous amène à être en rival, en rivalité. Mais peut-être pour donner le meilleur de soi. Oh, mais moi, je peux te donner le meilleur sans avoir un rival. Ah oui, oui. Parce qu'il faut que je travaille. OK. C'est un travail. Je travaille dessus. Donc, je ne vois pas d'abord tous les gens, mais je veux travailler sérieusement pour avoir le meilleur. Moi-même, il faut que j'approuve que ça, c'est bon. Que représente pour vous la musique? La musique? Là, je parle à l'artiste. Ouais. En fait, la musique, qu'est-ce que je peux dire? La musique, c'est un moyen qui nous permet de s'exprimer, de donner un message. OK, d'accord. Ouais. Et puis, pourquoi pas amener aussi la joie dans la vie des gens? D'accord, OK. Bien que... dans tout ce que nous faisons, n'amenait pas aussi des joies. Il y a des gens qui... Il y avait aussi des guerres. Il y a des paroles qui blessaient. Ouais, c'était en interne ou bien même des fois sur scène? Dans les textes même, dans les chansons, il y a des chansons, par exemple, je ne peux pas donner l'exemple ici. Bah, vous pouvez quand même. Mais on est entre nous. Okay. On est entre nous. Okay. De les textes comme des chansons telles que... quelle chanson, par exemple? Si je donne, vous allez tout ils vont tomber sur la mais personne. Vous êtes en même temps, vous êtes là pour éclairer. Toi, ni papa polima, au bébé si alliance na biso et falanga. C'est une très belle chanson. Oui. Ouais. Donc, quand tu entends ça, oui, tu dis qu'est-ce qui est mal? Il n'y a rien de mal, mais il parle à quelqu'un. Ah, donc, ils ont ma réponse. vous venez mettre ça sur scène. Oui, c'est pas possible. Oui, si. Il y a une chose qui s'est passée pour qu'on chante ça. De la personne concernée sait que c'est moi. Oh Seigneur Jésus-Christ. Il y a de tout pour faire. Oui, c'est ça. Vous avez vécu des moments difficiles? Moments difficiles. L'Oké Jazz en plein succès. L'Oké Jazz, l'orchestre de la nation. Seulement quand j'ai quitté l'Oké Jazz. Les policiers commençaient à m'arrêter. Même, je pouvais même traverser difficilement pour aller à Brazzaville. Pourquoi? Parce que j'ai quitté l'Oké Jazz. Le groupe du peuple. Ouais. Ça, c'était le groupe du peuple. C'était difficile. Alors, c'est ce moment-là que je disais, mais... Bah, un Franco qui était influent. Donc, c'était... Pas seulement Franco, mais les gens qui suivaient. D'accord, OK. Donc, et qui supportent. C'est comme aujourd'hui. Tu verras Neymar avec un numéro 10 dans le terrain. Il y a aussi un Neymar au pourtour avec un numéro 10. C'est clair. Il est capable. Hein? Oui, effectivement. Et du coup, mais c'est vrai que votre époque est quand même différente de celle d'aujourd'hui. Ouais. Parce qu'au final, comme vous l'avez parlé, vous avez dit tout à l'heure, c'était le mouvement du peuple. C'était une musique. C'était... Je me pose la question. Les gens ont peut-être aussi vécu, parce qu'on me l'a encore dit, laissé entendre comme une trahison le fait que vous partiez chez Shockstar. Tout le monde ne l'a pas bien vécu. Bon, c'est... Tout le monde n'a pas bien vécu, du moins. Oui. Peut-être trahison est trop fort. Les gens ne peuvent pas comprendre ce qui se passe aussi.
Donc, c'est comme aujourd'hui. J'ai déjà vu quelqu'un qui me dit, mais au salabi, c'est faux. Comment la musique, ok, mais d'où je préfère monter au Koutaina pour mon anganante. Aujourd'hui, je parle avec Ingrid. Ingrid ne l'a jamais vu. Mais quand il me voit, il doit d'abord accepter que je suis en présence d'une personne. Oui. Mais quand une personne te parle directement dans le passé, c'est comme si tu n'existais pas. T'es plus, ouais. Ouais. Et lui, mais écoute, où ebinga, ebinga, mais si vous avez bidon, vous avez linganga, donc tu me connais, moi la personne, je suis là. Tu dois d'abord commencer par me poser des vraies questions parce que je suis vivant. Alors, quand j'ai expliqué à la personne m'a dit, oh, c'est vrai, tu as raison. Oui, mais ça, c'est des sentiments. Tu écoutes une chanson dans la maison, tu penses que tu m'aimes. Oui, mais les gens s'attachent à vous, c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être fans. Non, c'est ça, justement. Les fans, parfois, ils tuent les artistes. Donc, être fan, c'est bien. Mais il faut laisser l'artiste évoluer selon ce qu'il lui vit. Bon, qu'est-ce qui vous a emmené alors chez Shockstar? Donc, Shockstar, en fait, c'est toujours ce que je dis, le conflit de la génération. D'accord. Il y avait eu un trop-plein? Non, en fait, c'est un moment, ce n'est pas l'âge qui m'a amené dans cet orchestre, mais c'est le talent. C'est l'art qui m'amène. En fait, quand je suis avec Franco, avec Simaro, oui. C'est le talent qui a le même âge que. D'accord. Mais ce n'est pas. Vous ne vivez pas votre génération, effectivement. Ouais. Quand on finit, on doit aussi être dans nos milieux. Donc, c'est clair. Ouais, c'est même, ça. Hein? Ouais, quand même. Quand même. C'est ce conflit-là qui m'a fait fuir. C'est, ok, c'est, d'accord. Je pouvais bien continuer parce qu'il y avait le succès. Mais en fait, au fond de moi-même, je me disais, si je quittais ici, je ne serais plus le fils de. Et c'est le nom Carluto changera. Donc, quelque part, il faut me grapper. Se donner des défis. Ah oui. Vous êtes une encyclopédie, c'est incroyable. Et justement, Shockstar encore, allez. Succès, Awana Kutukunande et Yemabe. Entre tournées, entre tout ceci, cela. C'est ça. Avec Shockstar. Des artistes de légende, au final. Ouais. Des Bamba, Fait des Veuves des Fao, Petit Prince, Janana. Et qui c'est encore Kito. Là, vous vous retrouvez quand même plus dans un style. Ouais, je suis complet. Vraiment dans mon milieu. D'abord, c'était un ami. Ouais. On a étudié ensemble à Ngiringiri. Et on était, lui, il était à Barumbu. Moi, j'étais à Lingwala. Le sax. Ouais. OK. Et puis, quand on s'est vus ensemble, donc, je trouvais quelqu'un où je pouvais vraiment. On pouvait parler. On pouvait parler. Parce que la musique. C'est aussi ça. Quelqu'un que tu dois essayer d'expliquer vraiment ce que tu penses. Exactement. Quand, aller comprendre comment tu peux corriger quelqu'un. Il y a la génération Mkolo. Tu as un poli. Vous avez un poli pas mal alors que je ne le suis pas. Je suis bien éduqué. Où est-ce que vous alliez puiser l'inspiration de vos textes? Je me suis toujours posé cette question. En fait, je dois. Dans le bongo benda. La texte. Justement. La texte. Moi, j'avais tout. J'avais un dictionnaire lingala. J'avais une Bible en lingala. Et parce qu'on peut avoir tous les mots, comme on dit, mais les assembler, c'est une chose. Oui. Et puis, je lisais beaucoup. Ouais. Et puis, j'aimais beaucoup les films à l'époque. OK. Les films avaient des histoires. Et parfois, une histoire peut t'inspirer. Parce que je suis jeune. Je ne connais pas tout ce que je parle dans mes chansons. Oui. Il y a des choses que je l'ai vues. Je le vis dans d'autres histoires. Ah, ok, d'accord. Okay. Donc, une histoire. Fait de l'amour. Vous avez imaginé fait de l'amour, mais il y a au moins ton mot pour le grand. Bon, vous savez, en même temps, le Congolais a toujours. Enfin, les Africains ont toujours aimé l'amour aussi. Hein. C'est un sujet qui marche partout. Hein. Dans le monde entier, les gens, dès qu'on leur parle de bolingo, ils sont à l'aise. Bon, en fait, c'est pas. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont des déceptions. C'est un plaque tournant des sentiments avec une clé d'acadéna à ma caisse. Donc, c'est un bolingo. Le vrai amour, c'est ce que nous avons connu aujourd'hui. Donc, c'est que le vicieux, il y a un sentiment. Donc, on a le bac et le sentiment le plus fort de l'amour, c'est la haine. Mais comment la haine peut venir aussi vite comme ça?
Donc, mais tellement ce talingi m'a cassé. Et gazi déception. C'est bête. Et ça bolingo té, papa bolingo maman. Bolingo ben katan raté le gola kwanga. Hein, tu peux pas couper l'amour comme ça. Le katia mon gaboy. Non mais je vais pas dire pasteur. Non mais quand même à un moment donné, vous saviez aussi très bien que les gens quand ils s'aiment, il peut arriver des déceptions entraînent jusqu'à la séparation, ça peut créer la haine. Mais la haine moi vraiment donc ce que nous avons j'ai donné un exemple à quelqu'un. Je lui dis ceci. Aux ali société na yo. Aux anabana non moi si na yo. Ce que moi sinon ok, voyage boy, oye okuti azuyo société, azuyo bana, azuyo nanda kwa botolia mwa. Siko yo ye bisanga, ok, luka nganga, oboma bana, to oboma mwasi, to oboto la société. Apande atalinga ti, o lingi ba kufa, to lingi ba zala. Abi nanga me, non, me, c'est vrai que c'est dur, mais ça vit dans la vie. Il y a un peu de vivre. 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 Il y a un peu de jazz. Il y a un peu de choc. Il y a un peu de vivre. Il y a un peu de vivre. Il y a un peu de vivre. Ah, mais c'est fort. Effectivement. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, quand tu as l'amour, tu diras non, non, mais je ne peux pas détruire mes enfants. Quand tu as l'amour, tu dis, mais nous vivons, je peux encore continuer à le faire. Pour bango baye bake, nous soutenir bango toujours. Donc c'est ça l'amour. Donc il y a une continuité dans l'amour, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes qui arrivent, il faut y bake bolingo sou karaté. C'est facile à dire. Pasteur, je me pose une question. Oui. Que je vais vous poser, ça tourne bien comme vous êtes pasteur, vous allez nous aider. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de nous dire 1000 personnes se sont posées la question, on a des réponses diverses. Ouais. Qui c'est Zardaka, tu as musique ou pas? Bon, so, na tika roi yabiso a Congo. Ça n'a vu musique. Non, non, non. Il faut que nous l'ayons été malgré que, au moment où nous avons tika musique, voilà. Parce que dans mon arabe, tout le monde a dit, oh non, il y a un peu de temps pour être malade. C'est faux. Et ça, juste tout ça, un peu de cannabis. Il y a un homme politique qui s'est converti. Il y a un bon samité. Une personne, un star, qui a bon thème. Ah, on a pour tout le monde un star, bon thème. Il va continuer à vivre, normal. Ce bon thème, c'est que nous, au commune malade du Bogo, non, ce n'est pas ça. Mais je dois vous dire la vérité. Musique. Et ça, musique. Musique, c'est ça. Oko beta ngoti oske na ngonengo oske na ngona ba top olo bi ona ton de sa stade dans sa boue sa eloko wana ezakati c'est pas possible. Oui, ezakati. Mais vous en faites quoi de toutes les compétences que vous aviez dit que vous en assurance depuis qu'on a commencé l'émission? Vous avez dit quoi à chaque fois? Je vous aviez l'assurance de votre voix, vous aviez l'assurance de votre talent. Écoute, le talent ne suffit pas. Le talent ya yot zamba pesa ki yo. Oui, talent ezakati na yo bien sûr. Mais si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un groupe. Ok, groupe. Groupe pour les entraîneurs. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez une institution. Donc, tant que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Donc, vous avez un peu de temps. Donc, tu travailles en quelque sorte, tu es comme des balbaka. Vous avez quatre institutions. Institution sous un logo nango. Attention, vous m'aimez l'eau na yoboué. Et comme malitanga, vous m'aimez balé. D'accord. Ok. Parce que les institutions sont en combo nango. Et que sale la makam nango pour la combo nango. Mais tant que yozo sale la talent nango, tu es dans le bien ou le mal? Tu peux être toujours dans le mal, dans quel sens? Pourquoi? Parce que, venez le fait qu'on est ensemble. Parce que l'équipe, le groupe, joue toujours dans l'ensemble. D'accord. Ok. Quand on fait un truc, ça peut être un balai. Quand on fait un truc pour l'équipe, au lingo, il y a tout ça dedans. Oui. Ok. Donc, qui se lance pour la binôme, il devait dire binôme, c'est dedans. Alors, j'aime pas trop expliquer ma moi qui si, parce que qui si moutoua ebi ou malam moutoua ebi satan. Moutoua ebi penzam bete. Non, moutoua ebi satan. Attends, expliquer qui si. Ah, mon amour, car. Mon amour, demande. Parce qu'il y a un grand dimanche au langoua. Moutoua langoua dimanche à langoué. Moutou peut
envoûté, endimaté, gazan envoûté. Alors, qui si malamu ebongi mutoyo ayebi satana. Alors banon kizaka. So mutu pa ebi nzamba ebi so ki si pesaka. Ayi so pe nzambe azaka. OK, pasteur. OK. Donc qui si kolango na ngodo vidi atasugi ozo saila nzambe. So qui si betu ezuyo. Tam so poko découvrir nzambe fo fungola yo pour comprendre. Sauter, ça passe. Parce que si vous écoutez le micro, et si vous êtes voué kangami. Bon, vous êtes voué kangami. Vous êtes kangami menacé dans le monde. Yo, mais yé, bado kokote. Alors, vous êtes voué kangami. 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 Parapluie. Ouais, mais vous ça. Vous dites être chrétien après ou pour vous-même pendant vous étiez un chrétien? En fait, on n'est pas chrétien avant, mais il y a une grâce. Ok. Dieu peut t'amener aux occos, la penza, accident pays à battre le pas et bien dans le magasin au Sanaïo. Tous les leaders du monde, basa la chrétienté. Mais simplement que Dieu voyait ce qu'il voulait faire avec eux. Ok. Mais ne moutoua la souka vinaï. Il faut le banza, mais merci. Alors, soit ça est la moté, il y a un problème. Parce que nous ne pouvons pas. Le talent, tu ne peux pas garder le talent que Dieu t'a donné pendant 20 ans aux alentours de Moukili. Non, 5 ans et Koukaka. Je dis bien 5 ans et Kouki. Ce talent, on a, dans le monde, on a nos alliés, dans le monde, on a bien. Le talent, on a aussi là. Au coma normal. Donc, bah, bah, qui 10 ans de succès, c'est comme une femme. Aza fleur, na fleur d'âge. Moi, je suis venu dans mes c'est quoi, donc, ça 5 ans, na kati vie. Wana. A ou fanete. Beauté aussi là. Ici, là-bas. Voilà, c'est la même chose. La même chose. Alors, justement, qu'est-ce qui peut vous pousser, puisque dans les années 90, après un dernier concert, vous allez prendre la décision de rester, justement, en Europe. Ouais. Qu'est-ce qui vous pousse? En fait, j'ai constaté. Entre les vieux, il y avait un travail sérieux. Je travaille avec les jeunes. Les jeunes, ils aiment le succès, mais ils n'ont pas un travail de fond. C'est ça aussi. Oui, c'est ça. Ma travail à terre. Alors, comme moi, je voulais rester dans ce travail. Parce que le succès, moi, aujourd'hui, je dis le succès, c'est le travail. Oui. Et quand vous ne travaillez pas, même à Tasugi Olubi, qui est aux Uki Siabali, sous la Messite, et aussi Mbate. Il faut avoir un talent. Il faut avoir quand même, bien sûr. Donc, sur le but qui est bon, il faut appeler à quelque chose. Alors, le travail manquait dans les orchestres jeunes. Et ça me manquait beaucoup. Et justement, j'ai fait 3 ans. Dans mon avis, non. Choc Sarto, Bendi Banda 86. Titi. Dans mon avis, non. Travail. Mais du coup, vous avez fait un album ensuite, un album solo, africain. J'ai décidé de faire mon carré solo. Oui, effectivement. Alors ça, dites-moi d'ailleurs, j'aimerais juste que vous me rappelez, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris la mort de Franco? Oh, j'étais sur place. Ça fait toujours mal de voir quelqu'un qui a commencé un truc, et un fondateur, un grand fondateur, un grand monsieur dans le genre Franco. On se pose toujours la question, ce qui va toi bouiller, comment au Kende? Mais il y a un saut. Quel est notre avenir? Et sous quoi? Oui, parce que si quelqu'un est super mal obatté, c'est ça aussi. Si quelqu'un est super conseil, est-ce que vous pensez que c'est une erreur? Moi, générationnelle, peut-être. Moi, j'ai toujours dit une chose. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est mort à laisser un conseil aux jeunes. Conseil, c'est que. N'ayez pas un nom dans l'oubli, s'il y a. Non, ce conseil, ce n'est pas pour une telle personne. Conseil, c'est vraiment que. Je vois les artistes français quand ils passent à la télé, comment ils donnent aussi l'éducation. À tout instant. Justement. Donc, conseil Wantine Tozano Bolelo, je peux commencer à conseiller les jeunes. Bien sûr. Comment ne pas garder si je gère le succès. Gérer sa succès, je vais en hôtel. Je vais le premier. Exactement. Musique, ils ont été en Congo, ils ont été en Olympia.
Il fait des tournées. Exactement. Alors, Olympia. Il faut absolument ça. Donc, comment enchaînement Olympia, Zénith, Bercy. Et pourtant, c'est réducteur. La musique, ce n'est pas ça. La musique, ce n'est pas des foules. La musique, c'est d'abord l'art. Il faut faire quelque chose pour essayer d'imposer quelque chose au peuple. De transmettre. C'est ça, exactement. Décidément, vous allez avoir plus qu'un enseignement ici. Alors justement, j'aimerais qu'on en parle maintenant, qu'on en arrive au point de la reconversion. Oui. Parce qu'au final, avec tout ça, je ne sais pas maintenant, je dois dire quoi, vous donnez votre vie à Dieu? Vous vous consacrez à lui plutôt? Au fait, comme la Bible dit que on donne qu'à ses cas. On donne qu'à ses cas. Okay. Donc, Dieu est Dieu parce qu'il a besoin de nous. D'accord. Nzambe banda a bungisa mutu moko na Eden Adam. Jour alobaki où es-tu? Il y avait une relation coupée. Donc alwa banda mukulana kuma oluka bato. Donc pas seulement moi, il cherche tout le monde, même toi. Même batunyo sa kuma oluka bango bozonga parce que ngamba na kela bino. L'homme pense après tout le temps que nous vivons, quand nous voyons des buildings et nous voyons toutes ces choses, nous pensons que on était, c'est comme si on s'est piqué nous-mêmes, hein, donc une piqûre pour être un homme. Non, c'est Dieu qui nous a créés. Okay. Et Dieu réclame, veut que tout le monde soit sauvé. Parce que sauver, c'est seulement Christ qui doit nous sauver. Il faut avoir Christ en toi. Alors, Dieu a besoin de tous les talents. Au cours du matin, nous avons besoin de tout puissant, Seigneur, immortel. Donc, tout comme le pays, ça va commencer à souligner. Tout comme le Seigneur, parce que le Seigneur des eaux, les anneaux, les Seigneurs, les anneaux, mais écoute, mais il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu a besoin de souligner sur tout, tout. Qu'il soit président, que tu sois le petit pauvre, ou Azaranani, on en a besoin. Ouais, donc, à un certain temps, à un certain moment de la vie, il faut voir ça à Babylon. Ok. Ouais. Moi, je croyais faire ma carrière. Ok. Mais il y a une parole dans le bas. Dans le bas qui a dit, j'ai vu quelque part. Moi, le lendemain, quoi, bien sûr. Il a dit, non, maintenant, je vais faire ma carrière. Bien sûr. Il a le lendemain. Ok. Ouais, il a le lendemain. Parce que, comme sûr, comme trop sûr, là, yo. Donc, c'est que ça est loco. Ok. Dieu m'a dit, c'est l'orgueil. Il y en a besoin. Mais, quand il y a eu un peu de temps, est-ce que vous prouvez que vous avez et c'est là mon problème. D'accord. En plein studio, un jour, tu sais, un messie qui se réveille chaque matin, soit à Betty Bale, il y a le colère, il y a le colère. Dieu nous réclame. Nzambe a réclamé à Moutounion, surtout. Ils ont engaïté. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de bateaux avec ta musique à Moukili? Non, on a beaucoup de bateaux. Mais chacun à son tour. C'est comme dans un bus. Moutounion est à Tamboulaga et qu'il y a des terminus. Bien sûr, tout. Ça va d'un point A à un point B. Mais où est-ce qu'il y a un Nzela? Parce que tu es là, tu es là. Mais, il y a un peu de l'autre qui est la vie éternelle. Mène, quelle métaphore excellentissime. Bon, c'est quoi? Il y a un terminus à Soul. Donc, vous dites, tu bandes à ah il faut que tu tapes la tine à l'ango. Donc, nous avons fait ça grâce à Moutou, non surtout, où il y a Botama Azali, Ayeba, qui existe. Moutou, moi, qui m'a dit là? Ok, d'accord. Et vous, ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Et vous a appelé? Nous avons le bal à l'ango, Rio, Awa, ça c'est de l'orgueil. Fais bien ton bilan. Tu n'as pas bien fait ton bilan. La parole était, que servais-tu de nom de gagner le monde s'il va perdre son âme? Les gens, quand on voit ces versets, que servais-tu de nom de gagner le monde? Les gens voient simplement le monde dans le sens
âme, les hommes. Mais je peux aussi m'acheter tout. C'est gagné, non? Effectivement. C'est gagné le monde. Parce que le monde veut me voir avec ça. Je peux aussi avoir toutes les voitures. Le monde veut me voir comme ça. Mais il y a beaucoup de conscience. Est-ce que ma voiture est à l'aise? Sauf conscience, nous a tranquille, souhaité parce que oui, bon, ça a maman là, tout. Mais est-ce que vous, vous aviez un mal-être à cette époque-là? Ils ont un babilo, qui ont un sale rose, 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 qui ont un vrai. Naïba, quand tout le monde est là, comme les gens, ça prédit parfois les gens, les vies des gens comme ça. J'accompagnais quelqu'un, un vieux que je connais, qui s'appelle Robert, Tozaranaïna Siro, un autre petit gars qui est malade quelque part. Ce vieux-là m'appelle, me dit, mais oh, le gars m'a dit que toi, tu as un succès. Tu as un succès, moi, je me casse. Oui, il m'a dit, moi, il donc, c'est même le vieux qui m'a rappelé un jour. Rappelé un gars, oui, bah, tu es net. Oui, ah oui, na bosani. Mais, la seule fois où on a eu le bac, on a protégé. Mais la salle a bleu en monté. Ok. La salle a monté. Vous aviez refusé. Na bois kango. Bon, pour vous maintenant, quand Dieu vous a appelé, il vous a appelé pour. Pourquoi il vous a choisi? Dieu m'a choisi de faire un choix aussi, de le choisir, lui. Ah, d'accord. En tant que Dieu. Parce que, oui, parce que c'est un choix. Il faut aussi comprendre que si tu as bien fait ton bilan, il faut savoir que quand Dieu nous choisit, nous devons nous disposer. La Bible dit que Dieu nous choisit. Dieu a fait, comment je peux utiliser le mot ici, Dieu nous considère. Ouais. Donc, pas seulement moi, il considère tout le monde. Mais cette considération, il ne faut pas déconsidérer la personne qui t'a créé. Qui t'a créé. Ouais. Mais il fera tout pour te prouver que j'ai la considération sur toi. Alors, quand toi tu négliges, c'est ton affaire. Mais Dieu te considère d'abord avant de te choisir. C'est-à-dire, il te considère et après il fait son choix. Le choix ne se fait pas parmi seule personne, c'est parmi les gens. Donc, parmi les gens, Dieu est capable de te cerner et de t'enlever. Il dit que voilà, toi, tu dois maintenant me servir. Le temps est arrivé. Et c'est pour ça qu'on peut constater, donc, du coup, cette pause que vous aviez fait pendant beaucoup d'années, puisque le dernier album que vous avez sorti, c'était Reconnaissance, c'était en 2001, si je ne me trompe pas. Et après, Temps mort. Bon, Temps mort. Bon, j'ai toujours été dans les campagnes, dans de chanter, mais bien sûr, prêter que sa voix, tout ça. Ouais. Ok. Mais seulement avec un album, tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Pas aussi. Ouais, parce que aujourd'hui chez nous, si on a fait seulement un album, c'est comme si on commence à tourner. Tu veux dire, ta TikTok, on a une sauce, ça, on dit, c'est déjà parti. Non, non, mais c'est pas ça. C'est pas une carrière, ça. Mais alors, j'ai peut-être quelque chose qui va. Pasteur, parce que aujourd'hui c'est pasteur, ouais. Là ça Carlito. Oui. Je sais que vous êtes doué pour plein de choses. Je sais que en plus vous aviez l'assurance et visiblement vous l'avez toujours. Parce que vous avez dit quelqu'un qui se connaît, il sait ce qu'il vaut. Ouais. Pasteur. Ouais. Comme c'est une flambée, tout le monde devient pasteur. Et puis il y a marqué des chants, vous aimez bien changer, après vous avez un pasteur. Bon, du coup maintenant, pasteur, c'est aussi un appel. Bon. Quand tu es appelé, l'appel est général d'abord de part. Okay. Dans cet appel, Dieu te donne une mission. Ouais. La mission, moi je viens de la musique. Une prostituée pour tous les prostituées. Un musicien pour les musiciens. Oui. Moïse était sorti de la maison de Pharaon pour rentrer encore chez les Pharaons. Je pense que j'ai un message pour la musique. Oh, pas mal. Ouais. J'ai un message pour les musiciens. Et c'est lequel? Hein? C'est lequel? Non, mais tous les musiciens. Non, c'est ça, je dis. Mais ça, j'aime quoi. Le monde de la musique, il n'y a pas seulement le musicien. Il y a aussi les gens qui écoutent la musique. Forcément. Il y a aussi les hommes politiques qui aiment cette musique. Et tous ces gens-là, battent dedans. Et c'est le meilleur moyen d'évangéliser, d'ailleurs. Oui, justement. Et c'est ça qui va nous emmener à un prochain album qui va bientôt sortir. Bon, cet album qui sort. C'est ce que j'entends, hein. Non, mais l'album arrive, oui, c'est vrai. Ah, d'accord. L'album arrive. Donc, j'ai pas menti. L'album, comment va-t-il s'intituler? Oui, je parle de la loi de l'amour. La loi de l'amour. Oui. OK. Alors, du coup, ce sont des chansons chrétiennes. Oui, c'est des chansons chrétiennes. Quelle est la différence? Ça tombe bien parce que nous, on a une légende
de la musique de l'autre côté. Maintenant, on vient là. Est-ce qu'il y a-t-il une différence si, entre... Il y a une différence. Cette question, merci, vous allez nous aider. J'avais posé la question il n'y a pas longtemps sur ma page, une question aux gens. Quelle est la couleur d'une bouteille de coca? Elle me dit, oh, tu fais la plus de coca, mais non, c'est pas ça. Donc, les autres nous disent que c'est illustration, c'est optique, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais c'était juste pour expliquer aux gens que cette bouteille-là que vous voyez, noire, au départ, ce n'est pas, une bouteille noire. C'est comme un homme pêcheur. Un homme pêcheur est comme ça. Donc, quand tu viens auprès de Dieu, le travail que Dieu fera, donc mettra son robinet dessus avec de l'eau pure. Et on ouvre la bouteille, cette bouteille-là, et la noirceur va quitter petit à petit, et la bouteille deviendra... C'est dilué, ça va devenir clair. Clair, ok. Alors, Dieu nous appelle, au départ, c'est pour nous sauver. Donc, quand tu es sauvé, tu es libéré, Dieu te donne un message. Parce que tu ne peux pas aller dire à d'autres personnes qui sont dans le monde que Dieu est vivant si tu n'as pas vécu, tu n'as pas l'expérience. Et qui me le a bien. Ok? Ok. Alors, donc, Dieu nous considère toujours. Parce qu'aujourd'hui, autrefois, les gens disaient, il y a la musique mondaine, il y a la musique chrétienne. Donc, aujourd'hui, j'ai compris, la musique, c'est d'abord la musique. Mais ce qui fait la différence de la musique, c'est l'esprit de la musique. C'est l'esprit. Parce que nous avons ce qu'on appelle, dans la musique, il y a une muse. La muse, c'est l'esprit qui te pousse, qui te donne l'inspiration. Qui te guide, donc. Merci. Ok, la muse. Donc, si cette inspiration n'est pas de Dieu, nous ne pouvons pas dire que c'est la musique de Dieu. Mais est-ce qu'on peut chanter une chanson d'amour en ayant la muse de Dieu? Pour Bolingo, c'est Dieu qui a donné, non? Ouais, mais quel Bolingo? Non, l'amour, non, tout simplement. Non, il faut préciser. Okay. Si nous prenons même les dictionnaires, nous parlons de l'amour. On va nous parler de l'amourette, amourachée. Le dictionnaire n'est pas rien expliqué. On dirait simplement que c'est un sentiment. Oui. Un sentiment qui peut être entre fille et homme. Ouais, une fille et sa mère, et un fils avec son père aussi. Donc, entre des amis. Ça s'appelle filéo. Non. Mais cet amour que nous parlons, c'est vraiment de l'amour. Ce n'est pas n'importe quel amour, maman. D'accord, ok. Donc maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, là, ça carlito. À qui n'a appelé ma fête. C'est pas parce qu'il y a un pasteur qui a Kani, il va plus aux fêtes, non. Je vais aux fêtes. Vous allez aux fêtes. Quand vous vous écoutez. Ah, et les nyango yende angwana. Quand vous vous écoutez. Et ça, avant une autre côté. Ah, mais quand même, mais vous savez que c'est vous quoi. Ah, mais bon, nous sommes des angrais. Mais nous autres, des athées. Donc, et comment le voir si, comme Paul dit que tout ce qui a été de gain, je le regarde comme la boue. Ouais, parce que. Maman, gagner Christ, c'est autre chose. Hein? Ouais. Connaître Christ. Ils ont malobaté. Ils ont les langues. Ils ont la goupe. Et vous aimeriez aussi impacter comme vous avez impacté dans le monde? Vous aimeriez impacter? Mais je pense que ça fait la même chose. Hein? C'est qu'on souhaite pas, même donc, si... Impacter comme dans le monde, quand impacter dans les amours, sous-main. Mais je pense que la chanson reconnaissance est là. Mais moi, j'ai une question à poser. Oui, la chanson reconnaissance, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une question à poser. Ouais. Par exemple, une chanson que vous avez interprétée, comme Ousmane. Ouais. Quel est un exemple musical Ousmane. Oui, Mino Bolingo, tu as ma bête, c'était la réalité. Est-ce que c'est mal? Non, mais. L'expliquer. L'expliquer, c'est amour, comment ça fait mal dans le cœur. Mais. Bonjour, tu y as fait que faut faire peut-être attention. Mais. Quand on tourne à Yoki Ousmane, on a déçu. À qui a joué moi, ma sangamo, boépo, à Yoki Lanzé, mon mot. Aussi que tant à Zou, quand on a serré ma sangamo, à Yoki Sou, on a été fidèle. Bon, ceci, c'est qu'il y a les rayons qui ont dit, t'es balébi, t'es dans ma cambou, quand même, ça, ah, c'est vrai qu'il faut que je me comporte aussi bien, il y a mené ma sangata, bon, à changer. Ça a déversé. En fait, c'est. Tout dépend d'une personne à l'autre aussi. D'accord, hein? Ok. Parce que, Napolo Bake, Batumsu soit yo qui n'est pas en haut, mais à côté vraiment à Kacha Monde, on a été. D'accord. Tskalinae Kaka, ils n'ont pas eu Kaka pour naïe, avant Nandaku,
Avant, on a quoi, mela, dengue, les lingots mela, et puis azo pour na yeza donc moyen na yako, yako kai se monaie. D'accord. Mais je pense qu'il y a, vraiment des vrais mots et des vrais textes qui peuvent amener quelqu'un à vivre vraiment une vraie joie. D'accord. Ce n'est pas cette parole-là. C'est pas cette parole. Ouais, ok. Ouais. Alors justement, cet album que vous préparez, il est prévu pour quand? Normalement, je devais l'avoir fin décembre là, mais je mettrai. Tu serais au courant de toute façon. Peut-être c'est vraiment plutôt 2023. Tu as 2023. Tu as 2023. Ouais. Tu as peut-être date. Yo, Zal. Conférence de presse. Amen. Faux, Zal. Ah, obligé. Mais Siko, je me dis une chose, c'est que vous avez fait plus de 20 ans sans rentrer dans vos terres. Cette terre-là qui a fait de vous l'homme que vous êtes. À travers Dieu, bien sûr, mais ce sont ces gens-là qui venaient dans vos concerts, ce sont ces gens-là qui chantent vos chansons, qui vous ont acclamé. On va dire ça. Ces gens-là aussi ont besoin de vous. Bango Siko, prévision et Zalakate. Si, Ezali. Ezali, parce que. Ça vous manque pas cette chaleur-là quand on arrive à l'aéroport? Oui. Vous savez que quand on est toujours étranger dans un pays étranger, on est toujours étranger. Dans tous les cas. Ok. Donc, votre pays, c'est votre pays. Donc, c'est mieux. Vous avez toujours Madame Nambougana, mais. Il faut toujours rebondir le terrain. Ouais. Il faut préparer le terrain. Préparer son retour, effectivement. Il faut préparer un terrain pour essayer de mettre les choses en place. Parce que quand tu viens, au commun des paysés, tu vas être au moins, au magamini, au commun de Bololot. Alors, du coup, beaucoup étaient souvent choqués. On a souvent vu, même des fois dans les réseaux, les gens étaient choqués de savoir que la Sakarlite travaille comme tout le monde. Souvent, vous voyez d'ailleurs agent superviseur, agent de la sécurité, exactement. Ouais. Ça a toujours choqué les gens. J'imagine que vous avez peut-être une anecdote des gens qui vous ont reconnu comme ça, qui ont été choqués, peut-être qui venaient d'étranger. J'ai vu des gens pleurer. C'est vrai? J'ai vu des gens qui disent, mais toi, je veux t'apprendre quelque chose. Il faut toujours travailler. Ok. Donc, quand je ne suis pas dans la musique, et je peux aussi travailler pour essayer de gagner quelque chose. Écoute, ce que nous gagnons dans la musique, les gens disent toujours que nous gagnons beaucoup d'argent dans la musique, mais il y a beaucoup de gens qui nous donnent. Il y a beaucoup. Aussi. Beaucoup d'argent vient des hommes. Et les gens qui vous donnent. Ouais. Et souvent, d'accord, ok. Alors, quand tu gagnes ton propre argent comme ça, à la sueur de ton front. Tu peux faire beaucoup de choses. Exactement. Parce que ça, ce n'est pas du donnant-donnant. Bah, on a monsieur, ça va donnant-donnant. Azo, c'est la moine, il banga. Ah, on va pas le bon mousseau préparer, il banga à cause de la terre, il banga à Nzambé. Son nom est Ingrid, sainte. Sainte Ingrid. On va aller, Mika Ingrid. Donc, Frère Mara, il est ce moment-ci là. Il est quand même un médiateur, un super avant l'écolo. Azo, gagnons. En tout cas, on souhaite à cet album, nous, d'entre nous, on lui souhaite. La meilleure des choses qui pourra arriver. Vous êtes un artiste de légende et je suis sûre que justement, comme vous aimiez les défis, alors ça c'est, même s'il y en a déjà... C'est pas moi qui aime les défis, il y a un Dieu qui aime les défis. Mais à l'époque, vous avez tout à l'heure essayé, c'est que vous me demandez un défi. Mais c'est quoi, il y a commencé à faire un défi. Voilà, c'est quoi, donc, commis, qu'on répondre à votre souhait, à votre désir. Effectivement, alors on ne pourra que faire notre mieux pour que cela puisse arriver parce que quand on le fait pour Dieu, dans ces cas-là, tout ça va quand même bien. Mais surtout ça. Alors, du coup, je me dis, on va entrer rapidement dans le face à vous-même. Donc, Carlito, là, ça face à lui-même. Votre. Si vous avez dit, c'est que vous avez un biseau sincère ou pas. Donc, comptez l'album, vous avez un biseau. De manière artistique. Ouais. Voilà. Votre chanson préférée. Ma chanson préférée, moi, ma chanson. Moi, ma chanson, moi-même. Ma chanson préférée, vraiment, c'est ma chanson. Moi, l'empathie. Celle dont vous êtes le plus fier, la chanson dont vous êtes la plus fier. La chanson. En tout cas, c'est Kanda de Nzambi. Ok. Celle qui vous touche le plus? En fait, dans cette chanson, je vois l'artiste Carlito dans son art. Et puis, une musique qui chante en Kikongo. La chanson est en Kikongo, mais la musique n'est pas Kikongo.
D'accord. Donc je sors un peu du Congo pour essayer de faire autre chose. Donc, de radio, c'est ailleurs. Ouais. Ok, d'accord. Votre plus belle rencontre dans le métier de Carlito, là, ça? Dans le métier de Carlito, si vous parlez de Carlito... Non, mais je prends en généralité, puisque vous pouvez avoir une belle rencontre, c'est en 1980, l'année habitée. Ouais. C'est ça, on a demandé votre plus belle rencontre dans votre carrière, voilà, Nacha. Ouais, ah, il y en a beaucoup, hein. Oui, mais il y en a toujours. Mais nous, on a la présence, c'est au moins, peut-être, non, on ne sait pas. On a tout le bas tout à l'heure que... Mon connaissance, je suis en train de me dire que je suis en face. Quel mon connaissance? Ah, si c'est Maya, donc c'est-à-dire Mobutu. Ah, c'était quelque chose d'exceptionnel quand même. Si, si, pour moi, je me suis dit, ah, donc, nous avons dit que je suis en train de me dire. Donc, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont été en train. Si c'est que je suis en train de me dire, mais je suis Atabasanjoli, Yahweh Bazali Mingi, Yoyo Kilo Yemonanga, c'est lui qui m'a recommandé de chanter. Il n'est pas dans mon compte. Il est secondé à tout le monde parce qu'il est bacard. Alors, la banque a dit voilà. Ok. C'est ma plus grande rencontre. Ok. Votre endroit préféré pour composer? Ah, je n'ai pas d'endroit. Je peux être dans un train, j'écris. Ça peut m'arriver. À la maison, ça peut m'arriver pendant que je parle avec toi, je note juste une phrase, quelque chose, et qui un déclic, et je vais enregistrer ça quelque part. Ok. Ouais. Les avantages de la célébrité, pardon. Les avantages de la célébrité. Parce que tu as même Mbali. Bon, l'avantage de la célébrité, c'est juste une notoriété aux alentours. Soit il bosse, il en vaut bien. Donc, avantage, non, moi, parce que je vis dans beaucoup de pays où je pensais me cacher. Je pensais me passer inaperçu. Ma femme, elle m'a toujours dit, au bon moment. C'est clair. Si, na point que, dans le toilette, dans le toilette, c'est quoi, ah oui, monsieur, j'ai déjà mis beaucoup d'argent là, de passe. C'est quoi, mon temps, le bin, mais, les candés, ils ont les gâtés de fond dans la fond. Ah oui, la tienne, bon, rebelle, alors que j'ai quand même 50 ans. Ah oui, mais, ah, il y a pas de gang, maman, Carlito, Carlito. C'est quoi, ah oui, je vais dire à mon mari, c'est quoi, mon temps, mais c'est qui? C'est qui? C'est, ah oui, non, non, mais c'est quelqu'un qui est connu. C'est quelqu'un, quoi. Ouais, c'est quelqu'un de mon pays qui est connu. Alors après, à Tuninga, à Bilanga, oh, mais tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Je lui dis, je fais de la musique, tout ça. Ma femme est congolaise de Brazzaville. Elle dit, demande à ta femme, Carlito, il connaît. Toi, t'as 99% des chances à y aller. Donc après, ce qu'il y a une personne qui m'a donc à Bilanga, un jour, je viens d'assister. Pendant mon année, et là, ça va. D'accord, ok. Ouais. Bon, c'est quand même vrai. À ce jour, ouais. Dans le monde musical, c'est quoi? Dans le monde musical chrétien. Ouais. Concurrence, non, d'accord. J'allais dire quel est votre concurrent le plus redoutable, mais ah, c'est la musique à concurrence. Non. En tout cas, je sais pas si les gens qui le font, bah, ça, on a concurrence, ça va m'étonner parce que la musique, c'est d'abord la musique. Un artiste, ça s'impose. Et auta la tenter, auta la rythmeter, auta la tenter, auta la tenter. Quel artiste chrétien vous appréciez? L'artiste chrétien que j'apprécie. Artiste chrétien, oui. Au fait, que vous aimez peut-être la voix, c'est pour ça que j'ai parlé d'un artiste, hein. Donc, que vous aimez la voix, les textes, comme vous êtes un... D'abord, il faut que ce soit vrai. Ngai, nzema bosse touchanga sans la côte à l'église, zagi babuloba. Ok, coupable. C'est la chanson qui m'a beaucoup plus touché. Nabi mending bango ba obeta musique wanga te ba yemba boy. Bazemba boy. Tant la bande sambela. J'étais étonné de voir que les chanteurs comme Babinungo ne va pas dans l'église. Il y a des chansons comme ça. Alors j'ai découvert après beaucoup. Oui. Mais ça. Ça vous a plus. Ouais. Mais peut-être si on doit encourager dans la jeune génération plutôt. Dans la jeune génération. Bon, pour tout ça, mon actuel. Nako, le bas, on y soit outil, on adorant.
D'accord, ok. Oui, je crois qu'il y a Adoran. Adoran. Baza, quand même, il y a moi, touche mon corps. D'accord, je vais toucher mon corps. Qui vous plaît. Ouais. Ok. Est-ce qu'on aura le droit à un featuring? Featuring? Avec qui vous aimeriez plutôt associer votre voix? Avec qui? Je suis trop sélectif. Il faut que je trouve cette personne-là. Ah, donc jusqu'à maintenant? Ouais, non, na ligne de moi apporter un lot mon corps. Hein? De donc, plus. Ouais. Okay. Non, faut mouton auto travailler parce que je ne peux pas simplement le prendre comme ça. Aya salika ne dans un endroit ça. Patiki le laisser aller au sale sale ne au lingi. Et après ton. Donc mais il y a quand même des gens que je vise aussi hein. Mais bon, ah ouais. Non, tata mon comme sous au le bambou. Alors, dites-nous, vous nous avez dit 2023 l'album va sortir et tout ce qui va. Si vous auriez, j'aimerais que vous regardiez ceux qui vous parlent. Ouais. Vous êtes là plutôt. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pourriez donner un conseil à une personne qui aimerait faire de la musique, qui aimerait un jour avoir une carrière, voire comme la vôtre, ou comme on dit, l'élève dépasse le maître, faire mieux que vous? Quel est le secret pour réussir selon la Sacarlito? Okay. En deux mots, en quelques mots simplement, je vais expliquer ce qu'on appelle, ce que les gens appellent succès. Le succès a de secrets. Et souvent, quand on parle de succès, les gens parlent vaguement de succès. Chaque succès a ses secrets. Nous sommes montés à 20 ans, il y a succès. Il faut que ça soit un secret. Ils ont un mal loba. Ils ont un bien loco. Soit tu vas pessayer. Ils ont un bien loco, il faut un loba pour avoir la succès. Ok, d'accord. Okay. Donc, les victoires et le succès a de secrets. Mais quand on n'a pas de secret, c'est que yo, bazo foula yo foula na na batu. Ozo tambola lokwa mon pepe, mon conseil est collé à yo. Parce que batobe ba sala succès sans citer les noms. Ba pesa ka nze moyen bi menze mon eli. Ouais. Foye bagite ke osala na eloko ba pesa ki. OK. OK. Alors, le victoire et le succès a de secrets. J'aime une parole dans la Bible qui nous dit « Garde cette parole, médite les jours et nuits. Médite les jours et nuits pour le succès et pour ton entreprise. » Ok. Bah, « Tiens, succès dans l'entreprise après. » Donc, la chose que nous devons garder, c'est Dieu qui parle à Josué. D'accord. Donc, après ça, il y a une révélation. Moïse n'a marché qui n'a aimé, mais il n'a pas eu. Yo, zoa oyo, tambourin n'angou. Donc, si Josué quitte cette parole-là, Azasuna secrètement et Samoutouté. D'accord. Toute sa vie, il a gardé la méditation, il a gardé la loi, il a marché avec la loi, donc succès à bon goût. Il y a aussi une parole dans la Bible qui nous dit qu'on ne déplace pas les bornes anciennes composées tes pères. Ce qui montre à Maïele, à Yokakaba, Mikolo Nyonso. Tant que Yoka Bango a Royemba, ou comme à Maïele Mou. Mais Maïele Wanaka est coquité. Il faut pas pisser yo secret pour n'aouyeba au sala, makam. Mais moi j'ai compris le secret de la musique dans l'esprit en Zambé, dans l'esprit en Loubaka. C'est pourquoi je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, quoi que nous chantons Dieu, quoi que tous les Mbela, Moukili, ce que nous avons secret Wanati. Donc c'est que, aux autres, ça n'a art pour art, babé en haut, art pour art, parce que, et au salle, à la loi, un petit peu, à ça, il y a un peu, Mais il y a des secrets qui nous gardent, qui nous détient, vivants et nous gardent. Et moi, Dieu m'a fait comprendre ces choses. Et il y a un moment toujours que beaucoup de gens sont morts sans nous donner de secrets. Voilà pourquoi on les cherche aujourd'hui. Ok, alors. Le secret du succès, on ne peut gérer le succès que la cellule, Mouto appelle ça succès. Mouto appelle ça succès, Mouto appelle ça au talent, okay. Et Mouto yo, à l'oba, non maloba. Okay. Mais maloba yo, zoa, et ou talanay. Ingrid, nous allons le loa, maman, nous avons une chance, mais il est en salle. Elle est encore vivante, oui. Azo l'oba. Azo n'en a l'oba, mais aux assoussous, na sous-titré la maman, na oui, oui. Parce qu'on a une yomoko. Il faut yomoko yéba pour garder ma principe na yo. C'est que osan maloba moko tia. Voilà, c'est ton secret. Ce que l'on a dit, c'est que l'on a dit, ah, secret, il y a un secret.
Donc le secret réside dans le secret. C'est dans une révélation. Exactement. Ouais, il faut le dire aux gens. Je dis mon toi kendarana ngote fatika ngo. Mais bi que quand Jésus a ngokufalo bi que choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi je servis Dieu. Moi et ma maison nous servons Dieu. Donc à lobana bango makamwe. Je dis nous avons des gens aujourd'hui qui parlent mais sans nous donner le secret. Le secret, c'est la révélation. Eux, ils ont ça là, qui est côté cabino, vivre ma tambour dans le colon, pour moi, le paiement. Voilà. En tout cas, un grand merci. Il a dit, Motalipé, regardez avec nous, parce que nous allons clôturer très, très rapidement. Mais regardez avec nous, quand le pasteur, la Sacarlito, parle, ça donne ça. À tout de suite. Les hommes qui vont nous libérer, mais la Bible dit que Paul nous a dit. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose. Dans ta version, il dit quoi? Car je n'ai pas eu la pensée de savoir. Non, je n'ai pas une autre pensée. La pensée qui est dans mon cœur, c'est simplement celui qui est mort et ressuscité. Alléluia. Amen. Celui qui est mort et ressuscité. Non. Confiez-nous tout. Ok. Alors, dans cette partie, bon d'ailleurs, on aimerait rappeler quand même que vous n'êtes pas censé oublier qu'il y aura des concerts. Alors, le 30 décembre, vous avez une grande célébration, je peux appeler ça comme ça, qui aura lieu où? À Créteil, à la salle Martin Luther King. D'accord, donc ça défile pendant que nous sommes en train de parler. Okay. Donc, c'est une bonne chose. Ce sera pour clôturer, on va dire, cette année, je pense bien. Ouais. Mais entre-temps, vous m'avez dit, le 3 décembre, il va retourner dans mes terres à moi. Aussi, et les bananes du blind tout. Le pasteur, là, Sacarlito, sera là le 3 décembre. Ok. Alors, dans Confiez-nous tout, on se demande, qu'est-ce que vous faites de vos temps libres? Mes temps libres? Vous n'êtes pas au travail. Mes temps libres, souvent, j'écoute la musique et puis je joue au Scrabble. Au Scrabble, ok, d'accord. Oui, j'avais remarqué tout à l'heure dans mon téléphone. Là, Sacarlito, et un papa comment? Un papa cool ou sévère? Ah, je ne suis pas un papa cool. Ah, plutôt sévère, hein? Non, sévère parce que, vous savez, quand vous avez un nom, les enfants naissent avec ces noms-là. Ils peuvent être gâtés simplement parce que ils peuvent les accueillir sur ma banane carlito. C'est pas bon. Je suis pas vraiment cool. D'accord. J'aime essayer de le donner un peu. Pas comme ça. Ok, d'accord. Ok, bon, moi c'est vrai. Ouais, plat favori. Plat favori. Poto kanga. Tolam. Balambani. Je vais vous dire. Génial, j'aime bien ça. La chanson que vous écoutez ces trois derniers mois, hormis la vôtre? Ah, c'est Travis Green. Ok. Ouais. Mais Yabiso ba Congolais, voilà. Yabiso ba Congolais, n'a aucun qui m'ennuie. Wapiyo. Ah, ok, ok, je vois, mais le nom est parti bien. Ok, d'accord. J'ai. Ça monte mananga. Neonas. Oh, je vois la chanson. Ok. Ça, j'aime beaucoup. C'est une très belle chanson. Ouais. On va faire une autocritique. Vous allez faire une autocritique. Donnez-nous une qualité à vous que vous connaissez avec et un défaut que vous aimeriez changer. Ouais, ma qualité, c'est très perfectionniste. Super. Ouais. Et puis, assidu, hein, dans tout ce que je fais, oreille très. La rigueur. Ouais, la rigueur. Un défaut. Le défaut, c'est. J'aime pas les choses qui se font approximatives. Les perfectionnistes, ils sont comme ça. J'aime pas. Ok. Boisson préférée? Boisson préférée, c'est de l'eau. Dernier caprice? C'est vrai. Dernier caprice. J'ai rien dit. Dernier caprice que vous vous êtes octroyé? Dernier caprice? Bon, qu'est-ce que. Et l'homme, il fallait au somba, mais. Le bien somba, t'as pas dit avant la somba caca. Et ça? Et là, ni mon autosomba, il n'y a pas longtemps, c'était quoi? C'était mes baffes, mes enceintes. Ah, ok. Mes enceintes pour le studio. D'accord. Ouais. Dernier appel au numéro composé avant Tobanda émission, Yalino. Isaïe Nani. Isaïe.
Ce que vous aimez par-dessus tout? Ce que j'aime par-dessus tout, c'est dans quoi? Dans quoi, par exemple? Non, en général, il y a un peu préféré. J'aime les choses en couleur bleu ciel. Donc, bleu ciel. Ok. Ce que vous détestez au plus haut point? L'injustice. Est-ce que la musique a-t-elle été un métier qui vous a bien rémunéré? Moi, je dirais oui. Hein, parce que, au fait, la musique s'est fait physiquement et puis administrativement. J'étais administré depuis avant même que je sois dans l'Okéjaz. Ok, d'accord. Tout le temps que je suis ici, je vis de mes droits. D'accord, ok, super. Ouais, donc, c'est que les gens n'ont pas ne faisaient pas. Ok. Moi, j'étais administré depuis longtemps. Je suis en Spéridam, Adami, Sassem. Dès que je me suis converti, j'ai mangé mon argent de la musique. D'accord. C'est comme si Dieu m'avait préparé bien avant. C'est pourquoi l'argent de la musique d'avant. Donc, comme quoi, ils en ont beaucoup à m'habiter. T'es un bongo. Maman. C'est ma capacité intellectuelle. Mais si vous avez un lobby qui est un peu en compensation, il faut ça. Attention. Et comme il est là, mais si vous avez un lobby, comme appelle tout ce que Naolia ou Naolia pète. Amen. Votre plus grand regret dans la vie? Mon plus grand regret, c'est. En fait, on a toujours un choix de rester quelque part, d'être quelque part. Ouais. Parfois, Dieu nous impose aussi. Je peux dire regret, mais quelque part, c'est. J'ai toujours dit que c'est moi, en tant qu'homme. Mais je pense que si je suis Dieu, je serai bien, toujours bien. D'accord. Donc, c'est, je voulais vivre ailleurs. Et non, pas seulement ici. Je voulais vraiment vivre ailleurs. Okay. Donc, pas ici. Mais Dieu voulait que je sois là. Ici, ok. Pendant un temps, ouais. Si vous aviez une baguette magique. Excusez-moi, je parle à un grand. Ouais. Pasteur. Ce qui nous a baillé, Lionandoto. Et Kalobi, Carlito, que veux-tu que je fasse là pour toi tout de suite, maintenant, sans réfléchir? Au Sengani. Non, déjà, tous les jours, on a besoin de la présence. Il y a des actes sur la langue. D'accord. Il y a des actes sur la langue. Après, il y a des informations. Il y a des actes sur la langue. 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 Informé. D'accord. Il y a des actes en quelque sorte. Ok. Dernière question pour clôturer. Celle-là, je vais la changer. C'est la question professionnelle. Ouais. Je vais l'adapter. Je vous ramène dans votre ancienne vie. Qu'est-ce qu'avait Franco que n'avait pas Lutumba Simaro et vice-versa. C'est juste ça pour clôturer. C'est artistiquement parlant. Artistiquement, Qu'est-ce que l'un avait que l'autre n'avait pas? Franco avait un style. D'accord. Franco avait un style. Et son style a fait aujourd'hui, en quelque sorte, ce qu'on appelle le rumba, Odemba. Ouais. Ce que Lutumba n'avait pas, Lutumba dans ses compositions, il pouvait changer de style, il pouvait faire tout, mais il a gardé son côté sagesse. Donc, vous dites, Franco, ses chansons n'avaient pas de paroles très profondes mais justes. D'accord. Et qui corrige les gens et qui fait peur aux gens. Simaro, il faut comprendre ce qu'il dit et le contenu, il faut encore écouter. Donc, vous dites, c'est vraiment un artiste. Alors, donc, la différence, c'est ça. Donc, d'accord. C'est comme un artiste et une personne qui savait et gagner. Son monde. D'accord. Dans cette chanson. C'est simple. En tout cas, on tient à vous remercier d'être venu ici dans Entre nous. Est-ce que vous auriez un dernier mot, quelque chose qu'on doit retenir afin que nous puissions nous clore? Vous nous avez déjà dit que Kinshasa 2023, en même temps que l'album, en même temps que tout ça. Donc, on va vivre une année fantastique si Dieu nous prête vie, bien évidemment. Oui, c'est ça. Un dernier mot. Un dernier mot, j'ai toujours dit que depuis que Dieu avait perdu son homme, Adam, dans le ciel. Il a toujours cherché cet homme-là. Dieu nous cherche tous. Où es-tu, Adam? Donc aujourd'hui, ce n'est pas Adam, c'est toi et moi. Dieu nous cherche. Donc il est venu sur terre simplement pour nous sauver. Donc pour les pécheurs et pour ceux qui ont une mauvaise vie. Dieu ne voit pas simplement tes mauvaises vies, mais Dieu veut te sauver. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, quel que soit ce que tu as fait. C'est pourquoi il y a quatre dimensions de l'amour de Dieu dans cette phrase. Dieu a tant aimé.
la première dimension. Deuxième dimension, il a donné son fils. Donc, toi, tu ne mourras pas, mais il a déjà donné son fils pour toi. Troisième dimension, c'est afin que quiconque croit en lui, quels que soient tes péchés, Dieu te veut tel que tu es, tu viennes quand même auprès de lui. Là, l'auteur de cette grande dimension, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Voilà. Amen. En tout cas, c'était plus qu'un enseignement. On tient à vous remercier. On retrouve le pasteur. Il a dit, on peut l'appeler pasteur, frère, comme vous voulez. Ouais. Carlitos, ça sur ses réseaux que vous avez, sa page Facebook d'ailleurs qui marche d'enfer. C'est là où j'ai dû envoyer 56 000 messages, mais vous voyez, au 57e, il a répondu. Je plaisante. En tout cas, c'était un réel plaisir qu'on a eu aujourd'hui parce qu'une légende, c'est pas tout le temps. Et l'enseignement, il n'a pas attendu non seulement de partir, mais il vous l'a donné aujourd'hui pour que chacun puisse tenir, même prendre une part à, dans tout ce qu'il a dit. Il y a forcément quelque part où quelqu'un va se retrouver ou encore quelque chose que quelqu'un va garder pour son édifice ou pour bien des choses. Donc voilà pourquoi je tiens à remercier le studio qui nous a reçus ici. Donc 93 TV, merci, merci. Vous pouvez d'ailleurs les appeler pour pouvoir vous-même réaliser vos émissions ici dans l'Île-de-France. C'est vraiment très important, le cadre est magnifique et surtout à ma caméra. Merci, continuez à vous abonner donc à leur chaîne parce qu'ils ont leur propre chaîne qui est Elite Media TV. Donc merci à eux, je remercie le vieux Hippolyte et je remercie lui-même Christian qui était à la réalisation. Alors pour cette émission qui était une émission de légende, vous imaginez bien que j'ai dû feuilleter. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pu m'aider, à savoir Philippe Mikena, merci pour m'avoir aidé pour cette émission parce que c'était pas facile. Je remercie aussi ma mère et je lui souhaite encore un joyeux anniversaire, 60 ans, pour être la mère de la sainte. C'est parce que je t'aime, Véronique. Et à toutes les personnes qui ont l'habitude... Bon anniversaire. Encore anniversaire, il y a eu aussi comme bon anniversaire. Bon anniversaire, Naïe. Merci beaucoup. Maman Véro. Merci à vous. Restez connectés, restez branchés. Et n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la Sainte Ingrid Kabongo et le pasteur Lassa Carlito, restera... Entre nous. Entre nous, ciao, ciao.